Maybe I don't wanna know the way home. Taking on a journey, I got places to go. Wanna chase a miracle, it's possible. You just gotta open the door. Darling, it's cold. Arrivé à Vancouver, donc on est à l'ouest du Canada, donc la pointe ouest au niveau du Pacifique. Donc là on est au Canadian Place, on peut voir ici que ça ressemble un peu à l'opéra de Sydney, ça représente des voiles, c'est magnifique. Et puis là on va aller visiter un peu le centre, donc c'est parti pour une petite journée. On se balade sur la Canadian Place avec Ori. Ori, est-ce que tu apprécies la Canadian Place? C'est très bon, il y a une belle vue, c'est très sympathique. On est au plein centre-ville de Calgary, de Vancouver. Que je vous fasse. Stanley Park. Stanley Park, avec nos petits Bixi, Vélib, comme on les appelle. Et ici, c'est Mobile. C'est parti! Arrivé à Yale Town, un ancien quartier industriel de Vancouver qui aujourd'hui, comme tous les quartiers industriels de l'époque, sont devenus des quartiers bobos. Beaucoup de briques, de petits magasins de souvenirs, de fringues tendances, de coffee shops, etc. Donc on est dans le sud de Vancouver par rapport à hier où on était dans l'ouest de Vancouver. Cory, on vient après Yellowtown, on vient d'arriver. Yellowtown, mon amour. On vient d'arriver à Guesttown. Guesttown. C'est un quartier historique ou c'était un port avant quand il y avait. C'est un quartier de pêcheurs et aujourd'hui c'est devenu comme d'hab un quartier de bobos branché avec des galeries d'art qu'on peut voir juste derrière Ori, avec des coffee shops, des restaurants branchés. Ok, le programme ici. On va prendre du sushi emporté et on va aller regarder le coucher de soleil.
dernier jour à Vancouver, dernier tour de vacances. Et on est... C'est mon anniversaire. Pour l'occasion, j'ai mis la petite chemise que j'ai achetée chez Winners avec Ori. On va à Granville Island. On va se balader dans le marché qui est l'un des marchés les plus anciens de Vancouver. C'est ça, Ori? Si on a bien lu l'histoire de Granville Island. C'était notre dernier jour à Vancouver et notre road trip qui a duré 3 semaines, c'est ça? 3 semaines. Voilà, on a fait une grosse partie du Québec, on a fait presque 2100 km, donc c'est pas mal pour 10 jours. Après on a fait Calgary, les parcs nationaux de Banff, etc. Et puis là on a fini à Vancouver. Demain on retourne à Montréal et après direction Paris 5 jours après. Qu'est-ce que t'en as pensé, Ori, de ce voyage? C'était super, on a découvert plein de choses, plein d'endroits et je crois pas que j'aurais fait ça si j'étais pas avec toi. Il y a d'autres aventures qui suivront prochainement, donc on verra ce qu'on va faire et puis ça va être sympa. On a découvert pas mal de choses et puis ça a été vraiment une aventure formidable, hein, Ori? Ouais.